Il arrive. Blake, est-ce que tu dors vraiment? Je suis réveillé. T'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah, je devais ranger les films de l'hôpital. Aussi, t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi? Dans ton rêve. Jessica, je crois. Tu connais une Jessica? Oh, non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray, quand nous étions gamins. Ah ouais? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, hey, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Si vous le dites, c'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. J'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin. Le son sera merdique. On va devoir... Oh ! Putain, mais qu'est-ce que... Merde ! Désolé ! Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Oh, que d'émotion. Essaie de prendre un max de paysage derrière moi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Piano panier. Ava Supai. Ok. Ici Lynn Langerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasupai, dans le centre de l'Arizona, à la recherche des origines de Jane Doe, victime hey, de Lynn, meurtre. Tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort. Ah, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi. Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour tout le monde. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville. Oh ! On a perdu le moteur ! Merde ! Putain ! Et nous y voici. La Californie aussi, c'est bien. Wakland. Alors avec la chance qu'on a, naturellement, le caméscope se trouve à côté de nous. Lynn ? C'est par où déjà ? C'est par là. Non. Ah là. Et merde.
Voilà, les événements importants seront automatiquement enregistrés. Voilà, pré-indiqué par un cercle rouge. Il faut bien laisser charger jusqu'au bout pour pouvoir avoir la capture vidéo. Ah non, il n'y a pas de corps. Elle est pas ici. Lynn ! Lynn ! Oh, 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 bordel ! Merde, 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 merde ! Non, non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Lynn ! Encore une lettre. Alors le principe est le même, hein, que le caméscope, on prend le document, il fait une belle photo et c'est sauvegardé dans les données. Voilà, du bandage qui sert à nous soigner, de collectibles, les piles pour la caméra et les bandages pour la santé. Donc là au début, l'ayant fait hier, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est vrai qu'on a un peu flippé parce que il y a eu les premiers... Il y a eu les premiers ennemis en visuel, mais bon, pour l'instant, ils attaquent pas. Alors là, j'ai l'impression d'avoir oublié peut-être quelque chose. Non, non, je crois pas. Ok. Ça aussi, c'est bien dégueu. Alors,
Ah, c'est là hier, on s'est tapé un petit coup de flip. Donc, il me semble que c'était là. Voilà. Là, on s'était barré. Là, on s'était rendu compte que finalement... elle nous avait pas suivis. Alors, on n'est pas encore dans l'hostilité, là, il me semble. Alors, on va fouiller cette maison, si on peut. Voilà, on peut pas... Donc je pense que nous sommes en mode normal. Et je pense que les collectibles sont... sont un peu partout dans le jeu de manière fréquente. Voilà, donc... déjà on a pas mal... on a pas mal de stock. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Robuster, hi, where are you? Ah oui. Du coup... Alors je vais sortir vite fait, je vais juste être sûr de rien avoir oublié, mais normalement non. On sort de là... Ah, c'est bon. Alors... voilà. Donc là... nous avons la compagnie. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Je me tournerai vers toi. Existe des générations. Seigneur, papa,
Seigneur, bon, je voulais fouiller, mais il n'y a pas grand chose à récupérer dans le coin, alors on continue. Blake, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, ils vont partir. Hey. Lynn, où est-ce qu'on va? N'importe où. Mais restons pas ici. Elle a des gaz. Elle a des gaz. Donc, je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh mon Dieu. On a retrouvé Lynn. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça, je peux pas en parler. Lynn, je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Notre foi a été confirmée. La femme venue du monde extérieur en ce jour a conflugué, a apporté l'immonde pardon que nous avons tant attendu. Elle couvre un enfant dans son ventre. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. Je ne sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn, je t'en prie. Blake. Je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons! La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié! Oh mon Dieu. Allez-vous-en! Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non, non. Dieu m'appartient maintenant. Dieu veut l'enfant. Fils de Dieu veut l'enfant. Non. Non. Non.
J'ai regardé mon père baiser ton dieu à mort. Merde! Merde! Lynn! Oui! Lynn! Tout va bien, petite. Non! Oh, Dieu de merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Ok, alors là le passage il est un peu tordu. Hein. Au début j'ai cru déjà qu'elle allait me mettre la tête sous sa robe. Alors comme je l'ai dit hier, Heretics. Et. Et je disais également hier qu'elle ressemble beaucoup à Jamie Lee Curtis. Donc là voilà, on a des ennemis à la torche. Alors on va le faire en mode immersion tranquille. Et en prime, je prends une claque par l'hérétique. Voilà. Donc, en gros, Lynn s'est fait à nouveau capturer. Elle portera un enfant. Donc, j'ai pas trop suivi. Je sais pas si on parle de mon enfant, enfin de celui du héros, ou si on parle de d'un éventuel bébé. Comment dire, enfin, comme si elle s'était fait contaminer en fait par les hérétiques, quoi. Alors, il est où ce con? Parce que malgré tout, faut quand même réussir à fouiller un petit peu, prendre la peine de fouiller. Pour quand même ramasser des objets. Hein. Et vu que je sais plus du tout où ils sont. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et il me semble que quand on aura franchi cette porte, ça part en couille. Voilà. Désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica.
Alors je vais refouiller. Hier, il me semble qu'il n'y avait rien à prendre ici. Alors je vais faire les mêmes commentaires. Du coup là, on a l'impression en fait de se retrouver un peu dans une parallèle, un peu dans le style de Silent Hill. Hein, on se retrouve dans un lieu neutre et puis après on retombe un peu dans le cauchemar. Et puis ça fait aussi un peu Evil Within. Et l'immersion en personnage à la première personne, ça fait un peu du Resident Evil aussi. Ah, on a une pile. Ça tombe bien, on vient d'en remplacer une. Profitons pour souhaiter aussi à tous les jeunes et nos enfants une bonne rentrée. Alors, souhaitons de meilleures conditions que ce... Alors là, il y a de la lumière, non? Avec un accueil un peu plus chaleureux que celui-là, ce serait bien. Et là, on a tout fait. Hérétique. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Sympa. Sympa la famille. Blond, coupé court. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vu? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie, monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Vraiment fendu la tête, pas vrai? Non, ça va aller. J'ai descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Il arrive.
je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Je vais aller... depuis pour le nier. Je t'en prie, laisse-moi parler à Nat. Où est l'étranger? C'est ce mensonge entre notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nat. Je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Ne bouge pas. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Chiton du diable. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ok. Il ne lui a rien dit. Même si... Merci. C'est vrai, il a été cool, il a pas balancé. Donc l'aventure continue. Alors pour l'instant, on est encore dans les cordes de ce que j'ai fait hier. Le bûcher. Encore un document. Et là, on se dépêche. Hier, j'ai loupé une capture. Et là, on filme. Et nous arrivons au champ de blé. Alors ça donne... Ça rappelle un peu quelques films d'horreur. Je sais plus les noms d'ailleurs. Hein.
de Stephen King. Mais lesquels, je ne sais plus. Alors, on va faire le tour de la zone. Là, ici, il n'y avait que dalle. Il y avait ça. Et là, il y a des ennemis qui opèrent avec leur lampe torche dans les alentours. Donc, on va essayer de les contourner comme ça parce que j'ai vu... qu'il prenait la direction d'où j'étais. Et si on gère bien... Voilà, il m'a vu, mais c'est pas très grave. Voilà. Le problème là, c'est que notre personnage est un peu... Ok. Là, on pouvait pas rentrer. Ok. Il y a peut-être un accès dans la grange. C'est pareil, voilà, on utilise la caisse et on se faufile là-haut. Et j'ai le plaisir de vous dire que j'ai rattrapé la progression que j'avais foirée hier. À partir de maintenant, ce jeu redevient une découverte pour moi. Un nouveau document. On va pouvoir reprendre l'exploration comme il se doit. Voilà, je m'étais arrêté ici. Allez. Oh putain. Putain de merde. Il me passe ça. Non, il veut pas le filmer. Bon, alors on va le contourner parce que c'est un peu dégueu. Ok, on se retrouve à l'arrière de la grange. Alors maintenant. Maintenant, c'est à nous de gérer. Oh putain, c'est quoi ça? C'est juste une statue. On se calme.
Ok, ça recommence. C'était quoi ce bordel ? Tous les oiseaux viennent de crever. Hein. Il doit bien y avoir un autre accès. Alors ce jeu tire vraiment les ficelles de plein de jeux d'horreur différents, j'ai l'impression. Je retrouve plein de petites choses, dont Alan Wake également. Non, on serait plus là-dessus, ouais. On serait plus sur une ambiance Silent Hill, Alan Wake. Mais à la première personne. Ah non, c'était pas ça. Il devait y avoir un autre rocher. Je pense à... Ah non. Non, même pas. Ah merde. Il y a une trace de sang là. Ah oui d'accord, il y a une corniche. Et là par contre, je pense... Oh merde. Allez. Alors là, on se faufile dans les cavernes. Je sais pas où on va, mais... Waouh. Putain, j'avais pas vu ça. Trop chelou. Un temple? Ouais, bah là, ouais. Ils n'ont pas été de ma mort sur les cadavres. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment voulu réaliser un jeu bien basé quand même sur l'horreur. Malgré le changement de... Le changement de climat, le changement de milieu par rapport au précédent jeu. Là, il y avait bien quelqu'un de pendu, non ? Je suis pas fou. Et...
Alors. Oui, d'accord. Il manque des marches. On aura tous les coups à un moment. On va se retrouver dans la maison de la grande faucheuse. On va forcément se retrouver à l'endroit qu'il faudra pas. Et quand? Ah bah ça c'est pareil ça. Oh mon pote, il doit y avoir une odeur de mort là-dedans. C'est fermé, donc c'est bien l'armoire qu'il faut déplacer. Un ascenseur. C'est là-haut, c'est ça. Y a pas d'électricité. Ok. Ils doivent avoir un générateur ou quelque chose. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. Donc là. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que l'objectif va être de réalimenter cet ascenseur. Par conséquent, il va falloir aller fouiller ce village. Alors, je sais pas ce qu'il a gueulé comme ça, je sais pas ce qu'ils sont en train de lui faire, mais... D'accord, donc là, a priori, on est juste sur une maison vide. Arrête, j'ai l'impression que elle est là pour nous faire chier, là. C'était un piège. C'est peut-être un ascenseur. On va jouer une porte, j'ouvre, hein. Je suis trop intrusif. Et donc là, à droite. C'est non, mais au cas où s'il faut qu'on galope à l'intérieur, ok. Là, lui, on sait que c'est mort. Qu'est-ce qu'ils font les autres d'ailleurs? Rien du tout en fait, il n'y a que lui qui est là pour faire chier quoi. Ok, donc là il y en a un autre qui me cherche encore.
Ah, on peut plus. Qu'est-ce qu'elle branle là? Ah putain! Deux fois je me suis fait baiser ici. Deux fois. J'avais un doute hein, quand même. J'avais un sacré doute. Bon, cette fois. D'un moment, on va y arriver. Hein. Hop. On prend la pile. On ressort. Non, 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 non. Ah, faut pas se tromper de bouton. Voilà, laisser. Voilà, laisser descendre. Alors là, on a trouvé un document et a priori, il n'y a rien d'autre à faire ici. Alors, on va ressortir. On va rester vigilant parce que certes, on a trouvé comment on contourner ici, mais il y a peut-être encore d'autres ennemis. Alors, dans cette maison, qu'est-ce qu'on a ?
derrière la maison là, il n'y a rien de caché non plus. Allez, on a assez perdu de temps ici, on trace. Il va pleuvoir. Donc là, non, là-haut. Un document. Et nous avons ici là un générateur. Vu que nous sommes des personnes raisonnables et réfléchies, nous allons attendre avant de l'allumer et je vais fouiller un petit peu, voir si j'ai rien oublié. Car un générateur, pour moi, ça fout à bordel le monstre. Et ça pourrait très bien nous foutre dans la merde. Ça, c'est quoi le délire là? Ça, c'est une connerie. Bon. On se lance. Mais ça risque de ramener tout le monde à mon cul, donc... on va rester très prudent. Ça doit être ça. Si je peux retrouver mon chemin vers l'ascenseur. Allez, tout va s'allumer, hein. Et voilà, j'en étais sûr. Putain. Putain, j'hallucine. Oh là là, j'ai flippé. Elle est où cette conne là? Ah oui, d'accord. Allez, on a vu pire. Martha. Allez, cours là, putain de ta mère. Temple Gate. Donc, Martha, c'est ça qu'elle s'appelle? Nous l'appellerons donc Martha. Première rencontre. Et pas des moindres. Alors, nous sommes à Temple Gate. Document. Une lettre. On peut rien faire. Jessica. Oh, j'ai perdu la boule. Oh là 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 là.
C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, man? S'il te plaît, Blake. Là, c'est quoi cette porte là? Ça s'ouvre ça? Non, ok, on a qu'un seul chemin. C'est où Jess? Moi aussi. Voilà, encore le casier de Jess. Il écrit quoi là? D'accord. Alors, on a zappé quelque chose. Blake ! Jessica. J'ai la chair de poule. Tout de ouf. Les scènes comme ça là. Les petits passages comme ça psychologiques, c'est vraiment saisissant. Alors, elle ou Jess? Regardez-moi cette fumée qui se dégage du plafond. Quoi, merde? Putain, on n'a pas vu ce qui s'est passé à cause de là. What? Putain. Allez, allez, come on, come on. Là, toi tu vas signer personne mon gars. Que les sons soient brûlés. Merde, c'est pas ça. Ok.
Donc on constate que les verrous, c'est purement provisoire. Et l'autre, il rampe, il arrive à me suivre. Allez. Ok, on est revenu ici, là. Et de là... Les bâtards, putain. Notre cœur est souffrant. Nos yeux sont endurcis. Non, 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 non. Putain. Allez, on recommence. Abruti, putain. Ensuite. Par là. Là. On referme. On verrouille. Donc là, on va pas tenter la grosse, le grand portail en bois. On va tenter la maison. Ah, c'est pas mal ça. Et l'interaction, ça me semble pas mal. Et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Cours, 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 cours. Et non, relève-toi, relève-toi. Allez, cours, frère, cours. Ok. Alors on peut pas interagir avec la personne, mais elle a l'air mal au point. C'est quoi ces conneries ? C'est hard. Rares sont les jeux hard comme ça, franchement. Et les piles se déchargent super vite aussi, je trouve. Plus vite qu'avant. Allez, encore une lettre sur Dieu. Et...
Allez, c'est reparti, putain. Ok, là on monte. Là, on se baisse. L'autre, il est vraiment à mon cul. Hein. Bon, déjà, on a bien trouvé le passage. Là, maintenant, où est-ce qu'on va? Yes. Ah, c'était chaud là. On va essayer de fouiller un peu. Ce serait bien qu'on retrouve des bandages. Au début du jeu, il y en avait, même trop. Et là, on en trouve un et aussitôt on le réutilise. Est-ce que ça dit ça, c'est pas trop long, le papier est précieux d'utilisation autre que l'évangile. Oh ouais, laisse tomber. Don't be afraid. C'est quoi ce bordel? Est-ce que je perds la tête? Ok, il y a une fenêtre là, ça sentirait bien la sortie. Un document avant de partir. Et merde. Je suis mal au point là. Comment je peux atteindre cet endroit? Putain de clôture. Je pourrais la grimper. Il me suffit de monter sur quelque chose. Ah bah oui, c'est bon, j'ai compris.
Ah merde. Putain, il y a encore du monde là. Je sais pas ce qu'elle veut, elle. Je sais pas d'où j'arrive. Ah oui, d'accord. Ça, c'est où c'était barré tout à l'heure. On a fait le tour. Là, on est arrivé d'ici. D'accord, donc... Putain, elle est là, cette conne. Alors, on va aller fouiller plus...
chapelle devrait pas être loin. Alors là, je ne sais pas du tout. J'ai fait tout le tour du petit village. Ah. Putain, je viens de comprendre. D'accord. Alors, il y a Martha, là, qui a mon cul. Et voilà. Super, c'est exactement ce que je voulais. Et là, si je gère bien... Je lui mets un vent, mais royal. C'est quoi que je dois filmer, je comprends pas. Ah, ok, là je tiens un plan. Ah d'accord, c'est même pas le... C'est même pas la femme pendue, en fait, c'est l'église qui est derrière. On va essayer de voir ce qui s'y passe et puis on va se laisser après les amis. Ok, un document, là on a rien. Donc là, très nettement, on veut qu'on se déglise, on veut qu'on se dirige vers l'église. Je m'appelle Blake. L'étranger. Le père. Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi. Vous devez me tuer. Oh. Notre vient. Avec Marie.
Il lui fera du mal et je dirai tout. Si vous me tuez, il n'aura aucune raison de lui faire du mal. Je vous en prie. Alors mec, dans la Outlast, on tue personne. À moins que... Enculé. Donc là, inutile de se cacher. On réessaye. Voilà, déjà ça a fait une sauvegarde, donc... Nous l'avons trouvée, Josia. Elle essayait de s'enfuir parmi les galeux. Ce ne sont pas là les actions d'une femme à la conscience immaculée. Oh mon Dieu! Réponds à ton compagnon, ma chère. Il ne te voit pas. Faites-la répondre. C'est moi, Josia. Te plaît, dis-leur que je n'ai pas. Dieu est la vanité. Moi aussi, la femme étrangère cache la destruction de ce monde en son ventre. Mais Val et ses apostats ont volé l'ennemi à naître. Le père du démon s'est échappé. Son immonde récolte sera moissonnée avant l'aube. Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver et la tuer, et ainsi sauver ce paradis de l'enfer éternel. Où est-elle? Où Val l'a-t-il emmenée? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour toi, Josia. Fais-tu-la crier ? Non ! Non ! Non ! Où est la femme ? Le ventre qui abrite l'enquêtrice ? Non ! Non ! Non ! Force de l'Ange Rebelle ! L'enfant à l'aide ! Je n'ai aucune peur ! Force de l'Ange Rebelle ! Je n'ai aucune peur ! Force ! L'ennemi de mon ennemi. Dites à Josia d'arrêter. Dieu n'entend pas les putains pécheresses. Où est la femme? Où va la tienne? Arrêtez. Je vais parler. Oh mon Dieu. Je suis désolé, Baron. Désolé. Où est la femme? Les mines! Dans la montagne! Va l'emmener dans les mines! Vous ne la trouverez jamais! Qu'il te pardonne! Avant la naissance! Nous sommes les mains du Seigneur! Nous ne pouvons pas échouer! Ce monde meurt en criant! Merci. Son Dieu dans toute son arrogance! Laissez-la. Oh putain, c'est dégueu. Merde. Six fils de pute. Les mines, où sont-elles?
Ok, donc là, on peut pas les suivre. Et en ressortant. Ah oui, d'accord, c'est ouvert là-bas maintenant. Alors là, c'est par où ? D'accord, je m'enfuyais, mais en fait, y a pas trop de raison d'eux. On va essayer de sortir de là. Il y a de la musique et du bruit. Oh là là, le bâtard.
place de la fureur de l'éternel. Dois-je te le dire ? Ok, on fait le plein, on se soigne, on remet une pile et on y retourne. Alors comme un gland, je me suis perdu. Non, c'est là. Ok, donc cette fois-ci, a priori, il n'y a personne avec nous. Ah merde, j'ai tué, putain.
faire l'affaire. Alors là, je comprends pas. Allez, on se la refait une dernière fois.
comprends pas du tout. C'est, j'ai compris. Jamais. Je pourrais passer si je pouvais ouvrir la porte. Ok, là, encore un objectif.
Ah, ok. Allez, salut à toi, Ridoline. C'est dommage, t'arrives un peu tard. J'étais prêt à tirer sur cette chaîne, mais... On va arrêter le stream. Mais si tu veux, tu peux cliquer sur le bouton pour t'abonner et on peut se retrouver... Lynn, là. Ridolin, si tu préfères. C'est à toi de me dire...